maintenant que 30 ans plus tard, on sait ce que c'est que les banlieues, on connaît les problèmes de brutalité policière et qu'on connaît ces jeunes qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui maintenant font partie de la société et chantent avec la garde nationale. Donc c'est plus la même, c'est le même sujet, mais c'est plus la même façon de le raconter et on ne recherche plus à alerter le public. On cherche à l'émouvoir avec une histoire qui est déjà connue et un sujet de fond qui reste en fait le problème de respect, qui est un sujet universel. En 1995, moi j'étais adolescent. Le film, je l'ai vu. J'étais fier qu'on puisse avoir un bout de notre histoire en fait dans la télévision, que les gens puissent voir un peu nos vies de galère. Parce qu'en vrai, même si le film en fait il vieillit pas, parce qu'encore aujourd'hui c'est comme ça. Et c'est vrai que c'était l'émergence du hip-hop. Donc ça fait que tout était émergent, c'est-à-dire que les quartiers étaient émergents, comment s'appelle, toute cette culture hip-hop était émergente. Aujourd'hui, on est dans une culture qui est sortie. C'est long. Ce film, il permet de comprendre d'où vient cette violence. C'est pas pour l'excuser, hein, mais c'est pour avoir un dialogue possible. Et ça, c'est encore d'actualité, parce qu'il y a encore des violences, il y a encore des injustices. Et c'est ça qui génère la violence en général.